Salut tout le monde, bienvenue, oh bordel, bienvenue dans cette vidéo incroyable, le retour des vidéos. Avec un nouveau micro. Avec un nouveau micro, vous l'entendez les amis. Voilà. C'est cool. Moi, je vais pouvoir faire des vidéos en voix off avec un meilleur son. Ça c'est sûr. Abonnez-vous à Club Roco. Ok, ça c'est la télé. Alors du coup on en était où? Allez, on devait trouver quelque chose. On était à l'atelier de Paige. Et donc là, sans faire exprès, ben... C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Ça fait un ou deux mois qu'on n'a pas tourné d'épisode. C'est vrai. Alors attends, parce que je viens de découvrir que dans mon inventaire j'ai ça là. Je sais pas ce que c'est. En même temps, à tous les coups ça va servir à quelque chose. Alors, fallait qu'on trouve quoi faire. Alors, diagnostic. Alors. Ah oui, fallait trouver monsieur de Castellac. Ouais, c'est ça. Non, c'était une mission. C'était une mission qui était menée par monsieur de Castellac. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. Donc, oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. On sait plus trop où c'est qu'il faut aller en fait. Bah ouais. Après, on peut regarder une solution, mais bon, pour l'instant, en cherchant par nous-mêmes. Ouais, cherchons par nous-mêmes pour le moment. Il y a un truc qui s'est déconnecté. Et oui. Ah, Il y a encore un truc qui s'est déconnecté. Non, qui s'est reconnecté là. C'est le micro. Non, c'est pas le micro, non. Chelou. Attends, fais voir si je parle avec le micro de Martin. On sait pas ce qui se passe. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que. Le doublage est vraiment bon en tout cas. C'est rare quand même qu'on ait vraiment un bon doublage dans les jeux vidéo, je trouve. Surtout à l'époque, enfin, surtout, je te précise à l'époque. Attends, y'a pas une. C'est quoi la touche pour utiliser l'objet en fait? C'est plou. Ah, j'ai cru qu'il a dit pour Macron. C'est quoi, c'est eux peut-être? Bah t'as pas un genre une aide? Ben non, y'a pas de... contrôle caméra, contrôle visée, sous-titre. Non, c'est pas ça. Pas... Flash info. Attends, c'est quoi la carte? Ah, c'est A. Non, regarde, clique là. C'est A. Utiliser, c'est clic de gauche. Il y a marqué là. Regarde, tu vois? Ouais, utiliser, ouais. Donc, du coup, ça veut dire que. Attends, clique de gauche. Ça, c'est les objets que tu as, ça. C'est bizarre. Faut faire quoi? Je comprends pas. Oh, attends, j'ai peut-être une idée. Ah, y a peut-être une idée. Et ben voilà. T'as trouvé ça comment? Entrez votre... Bah j'en sais rien. Entrez le code. Attends, votre code. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Genre le mage implanté. Ça enregistre toujours. Ouais, ça enregistre toujours. C'est chelou, genre, truc là. Désolé. Lisez votre téléphone en... Ah non, mais on s'en fout de lire votre téléphone là. Ah! Peut-être. Attends. Ah, sympa. Attends, il y a un inventaire ou pas? Et là, t'es mort. Parfait! C'est là. Mail. Objectif et carte. Quel est l'objectif là? Ouais. En dessous, Overcraft. Poussez le générateur de secours pour recharger l'Overcraft. Bah c'est ça en fait, faut rejoindre le générateur de secours. Attends, j'ai pas compris là. C'est par là? Attends. Merde. C'est pas là que j'ai. C'est derrière moi. Je
ça, non? Le générateur de secours, c'est ça alors? Ah, faut le pousser! Attends! Mais pas un tour de rein, bon sang! J'aime pas. Attends! Jade Reportage Co a vraiment besoin de renflouer le tiroir. Ah, fallait le pousser! Par là, à mon avis, ça bougera plus. Bon, ben. Alors, c'est de l'autre côté alors. Un petit coup de main? Ouais, c'est pas de refus. Je l'aime bien, moi, Paige. Moi aussi. Ok. Alors. Ben voilà! C'est ça qu'il fallait faire. Pousser le générateur. Et oui, il fallait pousser le générateur. Putain, le son, ça va être génial d'écouter ça. C'est vrai que le son est pas mauvais. Pas mauvais le son. Bon, ça c'est fait. Allez, allons dans l'Overcraft. Ok, c'est parti. J'aime bien ce nom, Overcraft. Mon avis, cap sur le garage, Mamago. Boussole, E. Ah ouais. Et la maniabilité, elle est pas si mal que ça en vrai, hein. Avec le... Ilis, ok. Oula, elle est pas en forme, l'Overcraft. Et il roule. Faut tenir jusque chez Mamago. Ils ont ce qu'il nous faut. Il est vachement beau. Il me semble que j'avais lu quelque part que c'est en semi-open world dans la ville. Wow, attends, la caméra. C'est dingue aussi, peut-être que c'est un jeu français. Quoi. Parce que je connais pas tant de puissance. Voilà, il y a la Racreta, il y a Assassin's Creed. Je connais pas vraiment de puissance de jeu français. Comment dire. Il y a pas tant de grandes licences que ça en fait en France, je trouve, en termes de jeu. Pas d'accord. Il faut qu'on aille à. Où ça? L'île Noire, faut qu'on aille sur l'île là, ici, l'île Noire. Attends. Non, attends. Parce que ouais, île Noire, ok. C'est hub, ça en fait, l'Overcraft. Putain, t'as une hélice qui a pété là. Cité. Île Noire. Ok. Bon, on va aller tout droit. La ville, attends, j'imagine que. Je crois qu'il me semble que c'est un semi-open world dans la ville, hein. Mais je suis pas sûr. T'as l'Overcraft qui est en train de rendre là. Ouais. Il n'est pas en très bon état, notre Overcraft. Oh. Eh ben ça y est, fini. En rade. Maudit Rafio! Et le garage qui est même pas à 300 mètres! Comment on fait du coup? Mamago n'est pas nice service. Viens te chercher, ça le vice. C'est quoi ça? Mamago n'est pas nice service. Ça se voit, c'est les années alors, 2000. C'est quoi ton problème? Les blagues, on pourrait jouer comme ça. Je vais te gracieusement jusqu'au garage Mamago. Mamago. Ouais, c'est très cliché quand même, ouais. Hé hey, hé, hey, ça marche! Ouais, c'est surtout efficace pour appâter le client! Ouais, j'avoue. Genre, à chaque débat, je fais ça. Oh, faut sortir de cette boîte de conserve, Jade! Oh, ça commence à sentir le jambon fumé. Ok. Ton ami, c'est un cochon. Genre, j'adore la blague, genre elle dit ça alors que son ami c'est un cochon. Elle a dit quoi? Elle a dit ça sent le jambon, ça sent comme le jambon fumé. Ah oui, alors que son ami c'est un cochon. Hey Jade, tu le crois ça? Un météore d'homme nous a bousillé la boutique. Regarde là-haut. Bousillé la boutique. Salut. Ça fait bizarre par contre, je trouve que quand t'as pas de doublage, que t'as juste du texte. Ouais, ouais, c'est vrai. J'aime bien que tu aies plusieurs choses. Non, pas le temps de déployer notre bouclier. Heureusement, maman. Bien. C'est essentiel. Ok, ok. Pas très intéressant, ce gars-là. Mamago. Ça me fait rire. Il y en a pas assez des jeux comme ça, je trouve. Mamago, aujourd'hui. Des jeux un peu. Salut, Issam. Content de te voir, 24. Les tordons se sont tombés chez vous hier, non? Vous avez pu vous planter, j'espère. Les petits protégés vont bien. Et la dernière, c'est adapté. C'était chaud, mais ils vont tous bien. Merci de nous avoir envoyé le protège. Non. On parle pas parce que cette guerre, c'est une calamité. Au fait, merci de nous avoir envoyé la dépanneuse. Pas de problème, c'est bien normal. Faut s'entraider entre voisins. Je peux faire quelque chose en. Hein, bien sûr, Jade. Merde, le micro. Oh, le micro.
On va pas le casser alors que je l'ai acheté la semaine dernière. 80 euros. 80 balles, ouais. Bien sûr, Jade, c'est comme chez toi. Mais rappelle-toi, notre maman n'accepte que les perles. Ok, merci. Je vais vous laisser parce qu'il y a mon portable qui sonne. Je reviens. Bon, reprenons donc. Alors, il y a un sauvegarde ici, mais on va le faire après. Bonjour. Bonjour. Tu auras quelque chose pour... tu as bien fait de passer, j'ai exactement ce qu'il te faut. Un moteur de speedcraft pour une perle seulement. Tu n'as qu'à déposer une perle dans le réceptacle juste à côté du moteur. Accroche-toi, tu vas sentir la différence, je te le promets. Et en plus, si jamais tu as des problèmes avec, il est très facile à réparer grâce aux pods. Les pods les petits opérateurs de dépannage. Ouais, pas terrible la musique, hein. Tu verras, c'est très pratique. On en vend dans le distributeur juste derrière. Ok, ça va. Et là, t'entends Bob Marley qui chante. Un peu Identification compte. Ok. Un impulseur mecha. Un impulseur à Starcos. Un impulseur. Il y a des vendeurs en jeu. Un impulseur mecha augmente d'une clé la capacité de la jauge de votre véhicule. Un impulseur à Starcos régénère votre énergie d'un cœur. Quand on vend des tacos dans un garage. Ah bah en même temps c'est Mamadou Là voilà, une perle du coup. Posé. Mamadou garage, je sais pas quoi. Vendu. Monnaie très appréciée. Je suis Mamago, voilà. Perle, alors, le monstre d'Homs du phare. Perle non trouvée, perle non trouvée, ok, d'accord. Pissam, un moteur speed coiffe à monter. Un moteur speedcraft, ça roule. C'est vraiment c'est des rhinocéros qui ont l'accent. Non mais ça ouais, n'a mais aucun sens. Ok, yette la garde. Yette la garde. Ouais, entre lui, on dirait le. Touche accéléré. On dirait le docteur Caballeron. Ou Caballeron. On va du coup aller voir ce qu'il y a là juste là. Ok, d'accord. Donc à mon avis, ici, ce sera tout pour améliorer son le speedcraft, l'overcraft, pardon. Donc je pense qu'on reviendra plus tard ici. À mon avis. Et j'ai ramassé de l'argent. Ça veut dire qu'on est à combien là actuellement d'argent? On est à 700. En vrai, c'est bien le reggae. Ouais, non, c'est du reggae, mais celui-là, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien. Identification compte. Ok. Une boîte, un impulseur méca augmente d'une clé. Bon, on s'en fout. Bon, ok, d'accord, on va se casser, on reviendra plus tard. Attends, j'ai un appel. Un impulseur méca. Attends, en fait c'est quoi l'impulseur méca là? L'impulseur mécouille? Identification compte. Ok. Un impulseur méca augmente d'une clé la capacité de la jauge de votre véhicule. Ça coûte combien? Il manque quelques unités. Bon bah c'est tombé bien, j'en voulais pas tout de suite. Allez, on se crosse. Le Mamago des La radio annonce une nouvelle attaque. Soyez sur vos gardes. Moi ça me paye. Non. Oh, tu m'en veux ou quoi? Jean-Paul, tu t'amènes là. Bon. Non mais c'est chiant la maniabilité. Michel. Pira. Tu sais j'en ai ce crash pire. Alerte générale. Les dames, ils attaquent. Tire sur les pêcheurs, Jade. Non mais, j'ai des monstres, t'as pas un boss là. Fais gaffe aux mines. Ok, on peut accélérer maintenant avec le Warcraft. Ok. Touché. Je suis dans sur l'espace. C'est bon, je l'ai eu. Non, j'ai pas eu. Ok, je la lâche pas d'une semaine. Je vais la voir. Donc les dames, du coup, c'est les crânes qui sont ennemis. Non, les inis. J'ai l'habitant d'inis.
c'est la bête tournée. Lily, c'est la contrée. Elle servira sûrement si on doit retourner chez Mamago. Chez Mamago. Chez Mamago. Du coup, maintenant, bon, ça fait rigoler. Dans cet épisode, on va l'appeler le garage de Bob Marley. Non. Si, ça pourrait. Ah, on a du coup les serpents des mers de Doms. Ok, ça marche. Monnaie très appréciée chez les Mamago, marché noir. Ok, donc on a eu encore une paire, donc on pourra retourner chez Mamago. C'est illégal, quoi, en fait, le... Bah, marché noir. Bon, alors du coup, on pourra retourner chez Mamago la prochaine fois, donc. Ça, j'aime bien. Course abattoir. Chez nous. Il faut aller à l'îlot noir. Îlot noir. Sinon, on peut retourner chez Mamago. Merde. Donc, ok. Bon. Là, tu prends le bateau, en fait, tu vois. Waouh, trop bien l'accélération, par contre. Alors du coup, boussole. Hey Jade, un banc de rascasse bleu. Sûr que ça peut intéresser le centre scientifique. Ah, prendre la photo, c'est ça? Là, j'aime bien cette option. Il faut que t'actives le pote de réparation, Jade. Tab. Mademoiselle Jade, monsieur de Castellac souhaite vous rencontrer à l'îlot noir, au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. Mademoiselle Jade. Ouais, c'est bon, on a compris. Du coup, l'appareil photo, c'est des shifts, hein, c'est ça, ouais. Non, bordel. On voit pas, là. Famille des scorpénidés, très délicate à photographier. Oh, on gagne de l'argent, trop bien. Money. Du coup, ouais, c'est toutes les photos qu'on a prises, ça. Et j'imagine qu'après... Au bout de 8 photos, je te transférerai un zoom numérique. Tu te souviens? Au bout de 8 photos. Au bout de 8 photos, je... Au bout de 8 photos... Au bout de 8 photos. Du coup, l'îlot bleu, on avait dit c'était où? C'est là, l'îlot noir. C'est juste là. L'îlot noir. Non, attends. C'est là. Ah, j'ai eu un truc obscène dans la tête quand j'ai dit l'îlot noir. Ouais, non, c'est pas bien. Parce que strike. Mais c'est trop bien l'accélérateur en fait, en vrai. Par contre, ça pourrait être bien de se faire réparer. Donc, préparer. Ah, ok, j'ai réparé le truc du coup. Là. Du coup, on peut réparer là avec les... Du coup, réparer. Ok, d'accord. C'est la... Et les clés à molette, là, c'est la vie de notre... J'aime beaucoup le côté vraiment... Steampunk? Non, ouais, un peu steampunk, heroic fantasy, c'est vachement bien fait. On dirait un peu Final Fantasy, non? Rencontrer monsieur de Castelnac à l'île aux Noirs. Okay. Moi, ça fait penser un peu à Final Fantasy, un peu. Ce mélange futuriste, steampunk... Futuriste? Vous approchez d'une zone dangereuse. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. Okay. Merci de votre compréhension. Bon, on va pas j'ai chance. Une voix de méchant robot. Pas très accueillant le bestiau. Les rhinos ont sûrement un truc pour ça. Ah, c'est sérieusement en plus. Bon, bah les rhinos retournent chez Mama. Chez Mama Go Service. Chez Mama. Non, chez Mama Banane. Mama Go, je crois. Mama Go, ouais. Mama. Ah, y'a un truc qui fume là-bas. Ouais. C'est la Mamago, non? C'est ça. Les temps de changement, ils sont bien par contre. On revient toujours chez Mamago. Bon, allez, deuxième passage chez les rhinos. C'est la même musique ici. On va parler à madame. Elle est plus au même endroit d'ailleurs. Lui qu'il faut parler. Après, c'est quoi ça? C'est quoi? Canon neutralisant. C'est 1000 crédits. Je sais pas. Je vais te goumer. J'ai pas de te goumer. Site de saut, 20 perles. Tu te dis, la référence? Ouais, bien sûr. Il y a de nouveaux trucs. Identification compte. Ok. Un impulseur mecha augmente une capsule de boost, triple temporairement la vitesse max de votre véhicule. Avec le set de pod, toute l'énergie de votre véhicule est régénérée. Un supermarché. Avec le set de pod, toute l'énergie de votre véhicule. Avec le set de pod, toute l'énergie de votre véhicule est régénérée. Ah, ça c'est cool ça. Attends, je vais prendre ça. On va acheter ça. Pour l'énergie, pour que l'énergie soit régénérée. Restore. Perfecto, c'est scanné. Voilà, donc restaure toute l'énergie de votre véhicule. Oh, c'est cool, on peut tourner les trucs. Mmh. Je crois qu'on pourrait déjà le faire avant.
Touche 2 ou 3 et sélectionner A, viser, ok d'accord. Hey, cool, Une boîte de K-Bobs régénère toute votre énergie. Un impulseur met une capsule de boost triple temporairement la vitesse max de votre véhicule. Avec une capsule, un impulseur méca augmente d'une clé la capacité de la jauge de... Une boîte, un impulseur méca en fait, augmente d'une clé la capacité de la jauge de votre véhicule. Ouais non, ça on s'en fout en vrai. En fait la souris elle te sert du joystick, c'est ça? Ça c'est quoi ça? Un moteur stellaire. C'est une grosse pièce. Ok, 30 perles. On est déjà à quoi? On est déjà à 20 minutes de vidéo. T'as envie, il sait à quoi je pense. Non, là par contre j'ai pas la réponse. Ah, t'as dit un nombre. 30. T'as dit ça coûte 30 perles. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre juste après? Oh, il a pas. Je t'avoue que là non, je l'ai pas. Mais pourtant ça va pas te faire rire. Si je te dis la cité de la peur. Tu la mettras au montage. Ok. Voilà, je viens de spoiler la blague en tout cas. Non mais attends putain, je comprends pas ce qu'il faut faire. Bah faut faut acheter un truc pour défoncer la gueule des alphas, je crois. Parce que ça coûte combien ça? 5 perles, mais j'en ai qu'une seule aussi. Non bah bref. Ça doit pas être là en fait. On est dû se tromper d'endroit. On va sauvegarder un coup, tiens. Alors. On va. Bah c'est le premier qui. Non, on va y écraser les sauvegardes là. Hein. Bonjour mademoiselle, je suis mandaté par monsieur de Castellac. Non, on a déjà vu ça. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'île aux Noirs. Compte tenu des énormes risques encourus, monsieur de Castellac envisage une forte rétention. Je crois qu'on l'a déjà vu ça. Ouais, l'a déjà vu. Je sais plus comment tu fais pour sauvegarder les gens. Donc je m'ai trompé, c'est pas monsieur de Castellac. C'est L10 de sauvegarde. L10 de sauvegarde. C'est le premier qui. Oui. Voilà, on va écraser fichier. Bah non, atelier. Ah oui. Donc, garage Mamago. Garage Mamago. Parfait. Voilà. T'avais raison. Ah. Nous avons. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Castel a besoin d'un remontant. Merci. Faudrait vraiment qu'on renfloue le tiroir caisse. Oui, ça c'est. Bon, alors ça doit pas être par là. Un peu du mal avec la maniabilité quand même. Bah, en même temps, tu me fais chier avec ton produit actionnel. Bah, tu joues pas avec la manette. Non, j'aime bien jouer au clavier. En vrai, c'est pas si mal de jouer au clavier. C'est pas si mal de jouer au clavier. C'est pas si mal de jouer au clavier. Bon, j'en ai marre. Moi, j'aime bien jouer au clavier souris aussi. Là je pense je suis bien au clavier souris donc il est noir. Peut-être là alors il est noir en fait. Je suis comme scène dans ma tête quand il est noir. Au bout de 8 fois. Canal principal. Le noir c'est par où déjà? Porte sud, droit devant. Ouais c'est sympa en fait, hein, graphiquement il est vache. Il a une patte graphique que je trouve super sympa ce jeu, tu trouves pas? Ouais. Il y a un. Et d'ailleurs on tourne pas par une patte graphique. Crame là-bas. Les météores d'hommes ont traversé le bouclier. Récemment j'ai commencé à regarder un espèce de bleu chaque fois. Sois super prudent, Jeanne. Les attaques s'intensifient. Ouais, et en fait les deux premiers sont très réalistes, mais Bioshock Infinite en fait il a une patte graphique qui est ultra sympa je trouve. Moi je préfère en fait aussi plus cartoon, tu vois. Bah justement, Bioshock Infinite il est très un peu ses styles cartoonesques mais pas trop. Encore une fois pour ceux qui me connaissent, vous savez j'aime plus tout ce qui est un peu cartoon, dessin animé que ce qui est vraiment réaliste. Donc là canal principal, et là si je fais demi-tour, le matériau. L'écran là avec les Ilis, c'est pas le bon. Alors. Il est noir, gros devant, ok ça marche. C'est le peu noir en fait. Ouais, parce que tu vas des.
Allez, on se casse. Écoute la musique. Elle est trop mal, la musique. Terre en vue, capitaine. Îlot noir, droit devant. Ça marche. Je pense qu'on va s'éclater pour ce jour. Ah, Tab. Appel à témoins. Les traîtres du réseau Iris se terrent quelque part sur Iris. Forte récompense pour toute information. J'espère que ce début de saison 3 vous plaît, hein. Ouais. Et d'ailleurs, pour fêter l'arrivée du nouveau micro, aujourd'hui, un petit épisode de genre 40 minutes, 40, 45 minutes, je pense que ça vous fera pas du mal. Donc, bah, c'est parti, on va continuer. En plus, si jamais c'est Îlot Noir, c'est dans la ville et tout, et que tu peux un peu te balader, je pense que je prends. Pour accoster. Bon. Ok. Bonjour, mademoiselle Jade. Mon patron, monsieur de Cassellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Bah oui. Les sections Alpha prétendent repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres Doms ont déjà envahi chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Monsieur de Castellac, est-ce qu'on pourrait parler, s'il vous plaît? J'adore en fait quand... Yoxat. J'ai jamais vu genre le plaque d'immatriculation. Hein. J'adore quand dans ces univers de science-fiction, les bagnoles, elles ont toujours un design de bagnoles. C'est vrai. Mais il manque juste... les roues. Voilà. Un peu comme dans Full Throttle. Bonne chance. Ouais, ouais. Et souvenez-vous, monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. Ah, vous aurez peut-être pas la webcam pour la fin de cette vidéo. Je vois que la caméra s'est coupée. Elle a dû se déconnecter. En fait, c'est ça, je pense, depuis tout à l'heure qui s'est déconnecté. En fait, je pense que vous n'avez pas la caméra depuis tout à l'heure, en fait. Non, désolé. Bon, c'est pas grave, hein. Yes, oui, désolé. Bon. Que tu fais, Paige? Amène-toi, sinon je te transforme en Jean Monnet. On peut courir. Oui, c'est comment qu'on court, déjà? Oh, c'est trop beau. Grave, c'est super sympa. Pourquoi quand tu fais pas cette licence, honnêtement, Ubisoft? Paige! Paige, mais normalement, les fans, ils en attendent un deuxième. Dis-moi, Paige, tu pourrais bien... Ok. Ah, ok. C'est bien ce que je me disais aussi. Ok. Bon, on va retourner en arrière. Ouais, on va sprinter un peu. Ouais, c'est vrai. Donc là, si on va là, en fait, il se passe quoi? Clairement, en fait. Il se passe qu'il y a... Ça va être du matériel minier comme on est dans un ennemi. Ah, ils nous attaquent pas, c'est pas des ennemis. Action. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, je suis pas outillé pour ça, moi. Ok, faut trouver les outils, donc il peut pas ouvrir la porte. Vu comment il est gros, il... Oh, c'est méchant. Bon, du coup, on va aller là où on nous dit d'aller, c'est-à-dire dans cette grande porte. Juste, c'est quoi ça? Là-haut, c'est quoi? Ah, action. Bah, il y a un item. Action. Ok. Non, mais c'est bon, c'est déjà fait ça. Il y a un item là-haut, ok, donc on viendra le chercher plus tard, je pense. On va lui trouver ces vers de terre. Donc il faut la photo de quoi déjà, il a dit? Je pense que c'est plus gros que des vers de terre. Il lui faut une photo de quoi, il a dit? Je me souviens même plus. Attends, c'est quoi l'objectif? Prendre en photo le couple de Pteroglimax. Oui, donc je pense que c'est des vers de terre. Oh, l'ambiance est forte. John, viens voir s'il te plaît. Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. 2 ans de travail dans le plus grand secret. L'aboutissement d'une carrière. Ma petite merveille,
les Jet Boots. Elles fonctionnent avec du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sous la semelle, deux turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur. J'attends ton signal, Jade. Vas-y. Bah en fait, c'est des... C'est des turbo-bots qui marchent. Super. J'avoue que c'est pas terrible. Bon, super action, non mais ça ira. Si tu veux une autre démo, je suis à ta disposition. Attends. Essaie de voir. Attends, j'ai pas compris là, ça sert à quoi ce plat? C'est parti. Ah. Hey, et pourquoi tu m'avais caché ça? Bien ouais, je... Oh, il fallait que je peaufine les derniers réglages. Touche plus à rien, c'est nickel. Il y a pas de son avec le doublage. Qu'est-ce que t'entends? T'entendais pas toi? Ah c'est parce que moi j'ai encore les doublages. Ouais, du coup, on a deux écouteurs et vu que c'est en stéréo, bah il y a des doublages que t'entends pas. Bien oui. Joué, Jade. On n'a pas de système de pour mettre deux systèmes audio. Mais tu sais, t'es pas obligé de te rapprocher du micro pour parler, hein. Mais j'aime bien faire ça. Normalement, même moi, on m'entend, je pense. Hein. C'est parce que ça me donne envie de faire de l'ASMR. De l'ASMR. Arrête avec ton ASMR. Alors, les mines. Les mines de la mort. Hé, hey, Jade, y'a le plan. C'est l'occasion de tester ton scanalyseur. Fais-en une photo. Alors, on va voir. Ça se dit un scanalyseur. Au bout de 8 photos. Oh. Ok. Et eh ben ça marche, on a la carte du coup. Ça c'est cool, c'est comme dans un Zelda, c'est trop bien. Pour le moment, le SP me. Enfin, le jeu me. Je sais pas si toi, je sais pas toi, mais moi pour le moment, le SP me plaît. Ah bah moi j'adore le jeu. Hein. Le jeu me plaît aussi. J'adore l'univers, déjà. Même si je suis pas très science-fiction. Donne-moi ton signal, Jade! Je vais te péter. Maintenant! T'as vu ça? Ton attaque Jet Boots les fait sortir de leur gond. Allez! Oh GG. Puis là vous faites exploser. On y va. Oh ok, ça explose, d'accord. Donc ok, faut que je mette sur les TNT, vas-y. Attaque Jet Boots. Boom. Sympa, ouais, je suis d'accord. Vas-y. Maintenant. Oh. Nice. Oh cool, qu'est-ce que ça? C'est des tacos qui doivent être bien périmés hein, si la mine est là. Ça moment. C'est quoi? C'est tacos. C'est un boost, parfait. C'est tacos. Oula. C'est beau je trouve en plus. Ah, attends. La banque centrale paie 5 unités pour chaque cristal de matériel. Il y a des collectables en plus, mais c'est trop bien. Il transfère illico à la banco. Il paye mucho unité par caillou. Good, good. Comment il s'appelle déjà lui? J'oublie son nom. J'avais son nom en tête il y a pas longtemps. Il y a des collectables, c'est trop bien. Hein. Tu peux passer, Page? Ouais, c'est bon. Il s'appelle Segundo. Ah, le Segundo, ouais. Hé, hey, Jade! Ouais. Viens voir! Il va nous falloir. Oh! Je suis pas outillé pour ça, moi! Non, t'as sauté là, si. Ouais, et elle a dit, il va falloir quelque chose. Il va falloir quelque chose. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Je pense. Bah là, faut utiliser une espèce de fleur qui explose, là, qu'il faut activer avec le. Le pétomatique de je vais son nom maintenant. Ça vaut de l'argent, ça c'est cool. Les chaussures à propulsion, on va appeler ça. J'aime pas le bruit de la mouche. On dirait un parapluie. Je suis pas outillé pour ça, moi. Non, mais moi je veux une super action, pas une action. Alors, super action. On y va. Non, non, c'est pas ça. Je vais mettre. À toi de jouer. Mais... Là,
évident quand même avec allez. La flèche. Ça va. Ça, voilà, bon, ça c'est les mécaniques de base. Hein. Qui ne l'a pas compris est un abruti. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bien en tout cas, je trouve, entre une mécanique on un petit peu. De gameplay, ouais, c'est bien. Ça fait très Zelda pour le moment, hein, moi je trouve. Oui, mais les mines. Oh là, ça va être un où est-ce qu'il est, ok. Ouais, les combats sont bien, hein. Les combats sont fluides. C'était quoi ça? Une croche axe. Il y en aura d'autres, Jade. D'habitude, ils attaquent à deux ou trois. Alors. Action. Elle est trop forte, Jade. J'aime les encres. Oula. Ça a bugué. Non, ça a pas bugué. Si. Non. Ouais, et t'allais rester comme un con coincé dans les. Je suis où moi? Non, il y a un chariot. Donc, à mon avis. Ok. Allons-y. Ouais, voilà, c'est pas. Je suis sûr qu'il va y avoir un niveau de train de la mine. Et moi, je suis sûr qu'il va y avoir des araignées dans le jeu. Par là, à mon avis, ça bougera plus. Ah bah, tu seras bien content que je suis là. Ouais. Que je sois là plutôt. C'est une perle? Peut-être. Boyau secondaire. Non, c'est pas clair. Dadu, des bougnasses. Ah ouais. Allez, tâtez du bidon. Ça tient flotte. Ça tient flotte. Donne-moi ton signal, Jade. Aïe. Prends sur moi, morflenouille. Ton signal, Jade. Non, ils sont bien, ils sont bien. Ah oui, c'est bon. Ok. Ok, re. Excusez-nous pour cette interruption, on va juste baisser un peu la musique. C'est un peu fort. Voilà. Les musiques sont géniales. Ouais, j'avoue. Les monstres, ils sont. Les monstres, on a les années, je trouve. Ça fait plaisir un petit let's play avec sur la Nintendo. Ouais, mais d'abord c'était Luigi's Mansion. Ouais, c'était Luigi's Mansion, ça remonte à il y a presque un an. Signal, Jade. Par contre, au moment où on tourne cette vidéo, la saison 3, on l'a pas encore avancé. Oui, on l'a pas encore avancé. À toi de jouer. Savoir que l'épisode pilote que vous avez vu, on l'a tourné il y a. L'épisode pilote que vous avez vu là pour la saison 3, on l'a tourné il y a un mois maintenant. Il y a longtemps, il y a même presque maintenant deux mois. Je crois que ouais, on a terminé le montage il y a un mois et demi. Ok, donc on est dans une sorte de vestiaire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On devrait sûrement trouver un truc dans ce cloacabé. J'adore les expressions ça, que tu ça, c'est pour les spécialistes. Ouais. Dans ce cloacabé. Une Baronco D53 modèle à percussion cisaillement. Je la prends. Ah, et il l'a foutu où en fait? Il l'a foutu dans son cul en fait. Ouvrez les yeux. Les sections alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris. Ok. Ok. On va prendre ça. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure. Ok, alors t'en casse ça. Restore prise, Yab. Ok. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure quand on était en train de monter sur Holocraft dans la ville, l'espèce de télé où il y avait à l'écran, il y avait genre un truc, t'avais les alphas qui parlaient, qui disaient oui, machin, tu sais genre engagez-vous dans les identification compte. Gaffe, ok. Bon. Starkos. Ok. Voilà, attends, j'ai combien de Starkos? 6. Bon, Starkos on va... complètement périmé. Bon, non, on s'en prendra plus tard. Et lui, il a activé sa. Ok, il ouvre la porte. Du travail de professionnel. C'est un peu comme ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour les grilles. Comme la clé où elle était déjà l'autre du même genre là. C'est un peu comme la clé que tu attrapes dans Alien Isolation. À un moment au tout début du jeu, tu te retrouves sur des espèces de portes qui sont verrouillées et à un moment tu trouves un espèce d'outil qui a une grosse clé Ouais, une clé à couper quoi. Enfin non, c'est pas une clé à couper, c'est un espèce de truc avec une genre de clé à molette plus grande quoi. Et bref. Et ça me fait penser à ça. Bah ils sont sûrement inspirés d'Alien. Ah bah non, l'Alien Isolation était pas là. Bah peut-être que l'Alien Isolation ils sont inspirés de ça. Ça me rappelle la morue au kiwi et chocolat de ma tante Hortense.
la morue au kiwi au chocolat. Alors déjà que j'aime pas la morue. Moi j'aime bien la morue. Déjà que j'aime pas la morue de base, alors. Par contre, vraiment, les gars qui ont créé l'univers, ils sont éclatés quoi. Après, quoi? Toutes les créatures, tous les plans d'évacuation. Un live. Carte déjà mémorisée, ok, d'accord. Hey, j'avais déjà scanné. Ok, je croyais que c'était une autre en fait. Boyau secondaire. Par contre, la musique se coupe un peu. On n'y est pas allé un peu fort là, non? Hein? Ça, c'est du reportage animalier comme j'aime. C'est un peu labyrinthe, je trouve. Oh! Aïe! Prends sur moi, ma grenouille! Donne-moi ton signal, Jade! Ah, mais oui, on est déjà vu, donc du coup, faut retourner en arrière en fait. Attends, bouge pas. Si je fais un peu plus droit. C'est quoi? Ok. Ok, d'accord, je m'en souviens. Donc, ok. On va retourner en arrière du coup. Par contre, le problème, c'est qu'il y a Page, on peut le frapper en fait, donc ça veut dire qu'on peut buter Page. Ouais, sauf que là, ça, il respawn pas, je pense. Hein. Du coup, vieille mine, on retourne là. Voilà. Et là, du coup, il y avait une autre. Il y en avait une de gris. Dans la caméra, par contre, un peu chiante. Faut changer de caméra, s'il te plaît. Voilà, il y avait une gris ici. Oui, bonjour, je suis Jean-Michel de caméra. Je suis toujours bourré quand je. D'accord. Jean-Michel Cadrage. Jean-Michel Cadrage, oui. Pardon, monsieur l'âme. Après, laissez passer le spécialiste. Merci. Il faut se pousser pour qu'il puisse faire ses trucs, ça c'est bien foutu ça. Ouais, t'aurais pu le faire avec le pied quand même ça. Hein. Tu te fous. Tu te fous un peu de la gueule du monde là. Identification compte. Ok. Un AP1 augmente d'un cœur la capacité de votre jauge. T'as coûté combien? Ça va coincer côté finance. Ouais, bon, non, attends. Ça va être super cher. Je prends pas. Au revoir. Bonne journée. T'as qu'à prendre Starcross. Non. Oh, elle se plaque automatiquement contre le mur. Voilà. Pas toi, t'inquiète pas. Je suis sûr que je vais trouver un mécanisme. Hey, Jade! On reste ensemble, Mildew! Ouais, mais j'arrive! T'inquiète pas, je suis là. Il t'arrivera rien. C'est ça. Vu que je suis loin du personnage. C'est ça! Fous-toi de ma tronche en plus! Ça veut dire que la balance du son est vachement bien fait. Ah bah ça c'est sûr, dans beaucoup de jeux c'est bien foutu. Hein. Bon là je peux pas. Ah oui, j'ai dit un truc obvious. M'explosez pas dans les commentaires. Ok, donc je pense que. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors on pousse ça. On m'en appelle, je fais une super action. Il va sauter, il va faire un sopet, un peso, comme vous voulez. Un peso, un sopet. Un pesos, un peso. Ouais, bref. Je capte rien. À toi de jouer. Boum. Parfait. On a des professionnels. Amène-toi, Page. Gros porc. Et là, c'est cassé, il tombe. C'était trop beau pour être vrai. Lâche-moi! Où tu peux? Merci! Rien! Cassez-vous! Cassez-vous! C'est bon, cochon! Pas sur moi, morfenouille! Merci, Jade! Sans toi, je crois que. Y'a pas de quoi, vieux Briska. Allez, en route. Je sens que le meilleur est à venir. Bon. Et là, il y a un sensé. C'est parti! Maintenant! Bon. Bah, je pense qu'on va. Je pense qu'on va s'arrêter là, ouais. Non, bah, il y a un sauvegarde. Faut que tu m'ouvres, Jade! Parfait. Oh non, je crois que c'était un ascenseur, moi. On l'ouvrira dans le prochain épisode. Il faut garder un peu de suspense. Ouais, ouais. Un peu de suspect. Donc, bref, on va donc utiliser ça et on va donc sauvegarder.
Et on va donc s'arrêter là, les amis, parce qu'on est déjà à 45 minutes de vidéo. Donc, ben, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que l'arrivée de ce micro vous plaît. Moi, ça me plaît en tout cas. Abonnez-vous. C'est incroyable. Abonnez-vous à Club Rocco. Abonnez-vous effectivement à Club Rocco. Abonnez-vous au Club Rétro. Et puis, nous, vous voyez à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Bioluminous Evil ou d'autres vidéos. Sur ce, c'était Commandant Rétro et sur la Nintendo. Bye tout le monde!